Depuis 4 ans, on s'est rendu aux 3/4 de nos cibles. Et dans les 11 ans à venir, le Canada va atteindre et dépasser ces cibles-là. Les cibles dont parle Justin Trudeau, ce sont les cibles de l'accord de Paris. Mais est-ce que depuis 4 ans, le Canada a vraiment réalisé les 3/4 du chemin pour atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre? L'objectif de l'accord de Paris est de réduire d'ici 2030 les émissions de CO2 de 30 % par rapport à 2005. Justin Trudeau laisse entendre que le Canada a déjà atteint les 3/4 de cet objectif. À l'écouter, on comprend que les émissions de CO2 au Canada ont diminué de 22,5 %. Pourtant, non. Depuis 2005, les émissions de CO2 n'ont baissé que de 2 % au Canada. Elles sont passées de 730 mégatonnes à 716 mégatonnes en 2017, les dernières données disponibles. Quand les libéraux disent qu'ils ont atteint les 3/4 de l'objectif de Paris, ils font une projection des effets que vont avoir leurs mesures. Ce n'est pas encore réalisé. C'est une nuance très importante. Et même si les projections des libéraux se réalisent, pour atteindre et dépasser les cibles de Paris, il reste encore beaucoup de travail à faire. La production de pétrole, de gaz, les transports, bref, dans les secteurs les plus polluants au pays, les émissions de CO2 continuent d'augmenter.